Bonjour Sabine. Bonjour Albert. Ça va? Oui. Comment va ta maman? Bien. Bonjour Albert. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez sacrifié vos moustaches? Oh oui, j'ai fait comme tout le monde. Mais je ne me plais pas ainsi, j'ai l'impression d'être tout nu. Je vais la laisser repousser. Albert a été blessé à la guerre, dans les tranchées. Maintenant, ça va tout à fait, mais quand je me suis réveillé et que j'ai vu le chirurgien fouiller dans mon crâne, j'ai pensé à Oscar Wilde. Mon Dieu, épargnez-moi les douleurs physiques, les douleurs morales, je m'en charge. Ce qui est révoltant dans la guerre, c'est qu'il prive l'homme de son compas individuel. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il peut quand même, en marge de la guerre, mener la sienne. Je pense à cet artilleur que j'ai connu à l'hôpital. En revenant de permission, il a rencontré une jeune fille dans le train. Ils se sont parlé entre Nice et Marseille. En sautant sur le quai de la gare, il lui a donné son adresse. Eh bien, pendant 2 ans, tous les jours, il lui a écrit frénétiquement depuis les tranchées, sur du papier d'emballage, la lueur des bougies, même quand les obus pleuvaient, des lettres de plus en plus intimes. Au début, il commençait « Chère mademoiselle » et terminait par « Mes hommages respectueux ». À la troisième lettre, il l'appelait « Ma petite fée » et lui demandait une photographie. Puis ce fut « Ma fée adorable ». Puis « Vous baisse les mains », puis « Je vous baisse le front ». Plus tard, il lui détaille la photographie qu'elle lui a envoyée et lui parle de sa poitrine qu'il a cru deviner sous le peignoir. Et bientôt, il passe au tutoiement. « Je t'aime terriblement ». Un jour, il écrit à la mère de cette jeune fille pour lui demander sa main. Dès lors, il devient son fiancé officiel sans jamais l'avoir revu. La guerre continue et les lettres deviennent toujours plus intimes. « Je m'empare de toi, mon amour. Je prends tes seins adorables. Je te presse absolument nu contre moi. » Lorsqu'elle répond un peu froidement à une de ses lettres, il s'emporte et la prie de ne pas faire la coquette parce qu'il peut mourir d'un jour à l'autre, et il dit vrai. Voyez-vous, Jules, pour comprendre cet extraordinaire dépucelage par correspondance, il faut avoir connu toute la violence de la guerre des tranchées, cette espèce de folie collective et cette présence de la mort minute par minute. Voilà donc un homme qui, tout en participant à la Grande Guerre, a su mener sa petite guerre parallèle, son combat individuel, et conquérir totalement une femme par la persuasion à distance. Quand il est arrivé à l'hôpital, il était comme vous, blessé à la tête. Il n'a pas eu votre chance. Il est mort après la trépanation, la veille même de l'armistice. Dans sa dernière lettre à sa fiancée inconnue, il écrivait « Tes seins sont les seuls obus que j'aime. Je vous montrerai une série de photos que j'ai de lui. En les regardant vite, on croit le voir bouger. » C'est une belle histoire, Jim. Quand il était à la guerre, Jules aussi m'envoyait des lettres très belles. Bonjour Albert, vous avez terminé ma chanson ? Montez, on va travailler ensemble.